Apparemment le son embête un peu, nous allons faire sans son. Connectez-vous alors, vous vous connectez, vous partagez également. On va encore faire un dernier sursaut pour voir si la musique peut passer. Henri, ben bonjour. Connectez-vous, on attend. C'est un problème d'application. On attend. On attend, connectez-vous. Ça va mon frère, et toi? Nous allons commencer dans bientôt. Dès qu'on va atteindre le nombre qu'il faut en rendant. Ces lives-là, ceux qui pouvaient l'intervenir doivent le faire avant et doivent signaler avant. Comme ça, on va voir comment on peut faire entrer les uns les autres. Nous attendons dans une minute, nous commençons dans une minute. Dieu merci. Bon, nous allons commencer notre direct. Je ne serai pas long. Je tenais d'abord à remercier tous les frères ici sur. Merci, Presney. Bonjour. Je tenais d'abord à remercier tous les frères ici sur la toile. Vous remercier pour votre soutien moral. Et vous dire également que tout s'est bien passé. Les funérailles se sont bien passées. Merci beaucoup. Merci parce que c'est vrai que beaucoup pensent que la fraternité sur Facebook, d'ailleurs moi aussi je peux penser ainsi, la fraternité sur Facebook est virtuelle, mais il y a une valeur noble à l'intérieur, c'est que il y a un soutien moral, même si on ne se rencontre pas, qui donne la force à chacun d'entre nous afin d'aller un peu plus loin. C'est vrai que nous avons parfois des divergences, mais c'est nécessaire, c'est important dans une famille. Dans une famille, il y a des querelles, il y a de l'incompréhension, il y a des divergences. Mais la plus grande valeur d'une famille, au-delà de tout ça, c'est la capacité de se remettre ensemble et d'aller de l'avant. C'est ça qui fortifie la famille. Donc, toutes les familles du monde sont pareilles. Dans toutes les familles où on pourra aller, on trouvera toujours qu'il y a souvent des problèmes dans les familles. Mais les familles qui restent solides, monolithiques, ce sont ces familles qu'on appelle des grandes familles. Parce que dans ces grandes familles, ils savent se surpasser pour dépasser les divergences, les querelles qu'il y a au sein de la famille, les divisions. Donc, la nécessité, c'est souvent revenir à la réconciliation rapide par le biais des
du pardon et de l'amour. C'est pourquoi je voudrais ici, si vous me le permettez, aborder un sujet. Parce que tout au long de ces derniers jours, je ne m'étais pas trop concentré. Je me suis concentré sur l'actualité politique, mais je ne suis pas rentré dans le cadre de l'analyse politique. Donc je voudrais aborder un sujet avec vous. Si ça vous arrange pas aussi, vous pouvez me le signaler ici. On va arrêter le direct. Mais avant d'aborder dans le sujet, il y a un problème de chez moi, sinon une moralité fin qui nous dit que na zamanga angete petit sirbi was anangeke nyema fab ayele anangete tirimoku a berbile et da tirimin ben dambar aussi wonange nangete tire kwas et belam avant. Bon, enfin, ça m'échappe un peu. Donc, Dieu a créé tout ça là parce que chacun devait vivre à son niveau, à son étape, selon ses moyens. En français, Dieu a créé des animaux. Et parmi les animaux, il a créé des animaux à terre, avec des ailes et plumes, pour pouvoir voler. L'identifiant ici, c'est les tarses, qu'on appelle généralement les pattes, les pieds d'oiseau, les tarses. Dieu a créé pour les permettre de voyager, de voler. Dieu a créé des animaux avec des pattes. Ces animaux-là peuvent grimper sur les arbres. Dieu a créé des animaux à sabots. Ces animaux-là restent au sol, ne grimpent pas. Et il a créé les poissons avec les nageoires, les poissons vivent dans l'eau. Mais vraiment, qu'aucun poisson ne sorte de l'eau pour venir vivre sur la terre ferme. Parce que le poisson va faire comment? On ne nage pas sur la terre ferme. Les animaux à sabots ne peuvent pas grimper sur les arbres. Donc il ne faut pas prétendre grimper. Sinon, tu vas donner quelque chose que tu ne veux pas donner. Mais les animaux à pattes ne doivent pas chercher à voler. Ces animaux-là n'auront jamais des ailes. À leur tour, les animaux à tarses ne doivent pas chercher à rester longtemps au sol. Toutes ces choses-là, Dieu a créé cette confusion, cette différence, afin que nous militons pour l'alliance, ce qu'on appelle en français chez nous Elat, l'alliance des peuples. Pour vivre ensemble, chacun doit apporter de son meilleur. Alors, j'ai suivi le président Oligui, président de la transition à Tshibanga, et au Haut-Ogoué. Peut-être c'est moi qui vois mal, mais je sollicite votre aide pour m'aider à comprendre ce que je n'ai pas compris. J'ai regardé un président qui pleure parce que il ne voit pas le vrai dans ce qui l'accompagne. J'ai vu un président qui s'est engagé pour le bien du plus grand nombre, mais que de l'aider, qui est constamment mis à l'épreuve. Et on ne permet pas à cet homme de s'épanouir. Il doit à chaque étape justifier pourquoi il est là. Et non chercher à améliorer, à mettre en place des mécanismes de transition qui peuvent permettre au Gabon de sortir d'une situation lamentable
déplorable que nous étions hier à une situation, une situation référentielle où le monde entier dira « Ah, faisons comme le Gabon ». Il arrive même que les gens font une comparaison entre Oligui et notre frère du Burkina. Comme diraient certains, comparaison n'est pas raison. Et c'est là où je voudrais nous interpeller, nous, qui avions mené le combat à tous les niveaux. Chacun selon sa ligne. Chacun a mené un vrai combat. Il n'y a pas eu de petits activistes. Il n'y a pas eu de petits activistes. Il n'y a pas eu de petits opposants. Il n'y a pas eu de petits politiciens. Chacun d'entre vous avait un couloir bien spécifique. Et ce couloir-là, c'est ce couloir-là qui est important. La porte de ce couloir. Mais si nous nous mettons à faire la concurrence des efforts fournis ou de la rentabilité, nous aurons du mal. Parce que quand on regarde les cinq doigts de la main, ces cinq doigts-là n'ont pas la même taille, ni la même forme, ni la même grosseur. Mais quand ces deux, les cinq doigts-là se plient pour former un point, c'est une force qui se dégage. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est que, nous, que chacun de nous apporte le peu qu'il a de façon à conjuguer nos forces afin d'aller de l'avant. Et cela, vous allez me le permettre, me rappelle une histoire biblique. Excusez-moi si généralement je vais dans la Bible. Ça me rappelle une histoire biblique. Vous savez, tout le monde, il y a eu des prophètes qui ont annoncé l'arrivée de Jésus-Christ, fils de Dieu. Ésaïe en a parlé. On nous disait même, quand vous lisez la Bible, les hommes étaient même au courant et savaient que Jésus-Christ venait sur terre pour enseigner et pour aller dans le séjour des morts, retirer la clé du séjour. Oh, Père, ça va, des morts. Beaucoup le savaient. Mais Jean a annoncé l'arrivée de Jésus. Il a annoncé et les gens ont entendu. Sauf que quand Jésus est né, quand Jésus est arrivé sur terre, les hommes de Dieu qui étaient censés recevoir Jésus, écouter l'enseignement de l'amour et faire le ministère de Dieu sur terre afin de faire de la terre un nouveau paradis. Ces hommes-là, quand ils sont arrivés auprès de Jésus, ils ont commencé à côté de Jésus à faire des comparaisons. Ces gens-là ont commencé à douter du Christ. Es-tu le Fils de Dieu? Mais comment l'enfant de Jésus, Dieu va s'habiller comme ça? Nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes habillés avec de l'or et tout. On habite des belles maisons. Mais toi, l'enfant de Dieu, tu es l'enfant de Dieu comment? Et ceux qui avaient accepté être avec Jésus, sans regarder son statut social, sans regarder son apparence, qui avait accepté pour rester avec Jésus, n'est resté avec Jésus que du fait que c'était le roi, il est venu pour prendre le royaume et chacun aura sa place. La confusion. De l'autre côté, le diable ne voulait pas que Jésus soit sur terre. Le diable, il ne voulait pas que Jésus soit sur terre. Pourquoi? Parce que pour lui, il ne fallait pas que Jésus arrive là-bas, dans les ténèbres, pour mettre la lumière. Il avait aussi envoyé ces gens bloquer Jésus là-bas. Vous le bloquez, faites souffrir Jésus. Il ne faut pas qu'il arrive ici. Mais quand les gens là, les hommes là sont partis, ceux qui croient en Satan, ceux qui croient au mal, quand ils sont arrivés auprès de Christ, eux, ne sachant pas que c'est la mort qui amène l'homme vers les ténèbres,
Ils se sont mis à persécuter Jésus, à chercher à le tuer. Or, ce n'était pas la mission. De deux équipes, l'homme ne comprend jamais. L'homme, quelle que soit la position qu'on nous donne, l'homme ne comprend pas. L'homme qui dit « Je crois en Dieu », Dieu lui dit « Suis Jésus et écoute ses enseignements ». Lui, quand il vient pour suivre Jésus, que d'écouter les enseignements de Jésus, lui, il vient pour faire des comparaisons. Il vient pour faire des comparaisons avec ce qu'il a vécu ou qu'il a entendu. C'est les comparaisons qu'il fait. Il ne dit pas, je dois me nettoyer, me refaire, naître à nouveau et prendre le chemin de la vérité afin d'arriver vers le bonheur. Non! Et celui qui croit au diable, au mal, quand on lui dit, va faire le mal, lui, il n'écoute pas d'abord celui qui te dit, va faire. Lui, il va faire avec sa haine, avec sa jalousie. Résultat, à la mort de Jésus, Judas a apporté le poids de la trahison. Entre-temps, Jésus était venu sur terre pour mourir. Maintenant, on a dit c'est Judas. À cause de la cupidité de l'homme. De l'autre côté, les gens ont tué Jésus, l'ont mis sur la croix. Et Satan a crié. Il y a eu un tremblement de terre. Ceux qui savent, le jour de... Bonjour Daniel. Le jour de la mort du Christ, la terre avait tremblé. Il y a eu des morts parce que Satan était en train de pleurer dans les ténèbres. Est-ce que c'est ce qu'on vous a demandé de faire? Aujourd'hui, Dieu vous pose la question, la transition que je vous ai donnée là, est-ce que c'est ce que moi je vous ai demandé de faire, ce que vous êtes en train de faire là? Ceux qui soutiennent Oligui, comme nous là, nous n'allons plus soutenir Oligui dans l'intention d'accompagner Oligui vers la réussite de la transition. Chacun va maintenant soutenir Oligui avec ses idées. Si Oligui ne me nomme pas, Oligui devient mon ennemi. Il n'est pas un bon. Mais entre-temps, nous devions aller dans le sens où je vais apporter quelque chose au président Oligui, de telle sorte que tous les Gabonais puissent gagner. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que la transition soit perçue comme une valeur, une victoire pour le Gabon sur le plan national et international? On regarde, on trouve ce qu'il faut faire et faisons-le. Non. On doit maintenant commencer à se critiquer entre nous. Oligui, non, ce n'est pas tel qui est bon, c'est moi qui suis bon. Mais la faute aussi à Oligui. La faute est située à Oligui. Parce que quand on est un bon leader, il faut savoir connaître ceux qui t'entourent. Il faut les étudier. Parfois, ce ne sont pas les gens qui te contestent qui sont contre toi. Parce qu'il est mieux que quelqu'un te dise la vérité que de marcher avec quelqu'un qui passe tout son temps à te flatter. Parce qu'au moindre incartage, celui-là peut t'abandonner. Ce n'est pas... Ne nous entretuons pas. Ce n'est pas quelqu'un qui bloque l'autre. Bonjour Hugues, ça va suivre mon frère. Ce n'est pas quelqu'un qui bloque quelqu'un chez Oligui. Si Oligui veut voir Fortuné ou veut voir Anatole ou Bernard ou Jean, il connaît les numéros, il t'appelle. C'est ça un président de la République. Pour la petite histoire, à l'époque, dit-on, moi je n'étais pas encore là, Léon Mba avait créé la journée porte ouverte à la présidence. Et tous les Gabonais pouvaient aller à la présidence, aller déposer des lettres, des notes à la présidence. C'est ce que me disait mon père. Et Léon Mba s'était rendu compte qu'il ne lisait pas, il n'y avait pas de lettres.
À chaque fois, personne ne venait faire des remarques, des revendications, parce qu'à l'époque, c'était d'abord la lettre, il n'y avait pas de téléphone. C'est comme ça que quand il change de directeur de cabinet et que Bongo arrive à son cabinet, Bongo lui apporte des lettres. Les lettres que les Gabonais avaient écrites des années, mais posées là, qui étaient cachées, personne ne voulait remonter ça vers Léomba. Léomba était en colère, c'est à partir de là, il a dit non, Bongo est un bon travailleur. Bongo est un bon travailleur. Si tu es à côté de Ligui, mais comment veut-on flatter un convaincu? Moi, je suis convaincu de Ligui. Pourquoi Ligui doit encore me flatter? Il doit chercher à flatter celui qui n'est pas encore convaincu, parce que c'est celui-là qui doit comprendre le sens du combat. Mais tu es à côté de Ligui, mais tu fais comme si tu ne comprenais pas le sens du combat. Il doit passer 9 mois à te flatter, à te montrer que non, voilà ce que j'ai envie de faire. Dès que tu sors, quelqu'un te mijote, ah je ne sais pas, Ligui là aussi, je ne comprends pas. Les intermédiaires entre les gens, c'est ce qui a tué la politique dans le Gabon. Parce que si tu veux passer par quelqu'un pour atteindre l'autre, monsieur le président, vous n'allez jamais avoir la vérité. Parfois, vous allez dépenser de l'argent à vouloir rencontrer un aîné. Vous allez dépenser de l'argent, mais l'argent là ne va pas arriver. Parce que celui qui prend là, qui amène là, lui il cache, il vient, il dit quelque chose d'autre. Parce que vous-même, monsieur le président, vous aviez choisi vous-même la politique des intermédiaires. Même à ton plus grand ennemi, monsieur le président, vous prenez le téléphone, comme mon frère Hugues Mefane, il est en France. Tu prends le téléphone, vous appelez, allô, oui, Mefane, c'est le président de la République. J'ai envie de vous voir. Si c'est un enfant béni, conscient de la nécessité de servir l'État, il viendra. Pourquoi tu as... faut pas avoir honte. Parce que les gens vont passer à la télé et dire que le président m'a appelé, j'ai refusé. Mais quand un homme conscient avec le statut de citoyen de la République, quand un homme comme ça vient dire à la toile que le président m'a appelé, je ne suis pas parti. Mais tu ne grandis pas. Tu ne grandis pas parce que la nécessité est d'abord d'aller rencontrer le président de la République. Quand tu le rencontres, vous discutez. C'est à l'issue de vos échanges que tu peux dire, après avoir rencontré le président, nous ne nous sommes pas accordés sur tel ou tel ou tel point. Pour l'instant, moi je préfère encore me mettre. Parce que dans l'État, il y a tout ce qui constitue le peuple gabonais qu'on appelle les citoyens. Parmi lesquels le président de la République. Donc le président de la République est aussi à l'exercice de l'État, tout comme chacun d'entre nous. Et là, ça me conforte. Quand on faisait encore l'éducation civique au primaire, tout le monde ne peut pas se prétendre citoyen gabonais. Nous sommes certainement tous nés au Gabon. Et d'ailleurs, nous avions la nationalité gabonaise par le biais de nos parents. Ce sont des nationalités attribuées. Parce que quand ton père et ta mère sont allés te déclarer devant l'officier d'état civil, ils ont demandé à vos parents, vous êtes de quelle nationalité? Ils ont répondu, nous sommes gabonais. Par conséquent, tu es gabonais. Mais combien de Gabonais sont allés au greffe civil, là à Libreville, aller confirmer leur nationalité? Parce qu'on n'y tient pas. Et notre justice ne joue pas aussi son rôle. Tout le monde est dans la diversion. Être Gabonais,
comprenons-nous bien, être Gabonais, c'est celui qui contribue à l'épanouissement, à l'évolution, au progrès de la nation, au restant, tout en respectant les lois en vigueur dans notre pays. Ça voudrait dire que l'étranger qui est venu au Gabon là, qui respecte les droits là, qui contribue à l'évolution, peut même être plus Gabonais que toi. Être Gabonais, c'est pas pour venir crier sur la toile. Moi je suis Gabonais, je suis de tel, je suis de tel. Mais depuis que tu l'es, qu'est-ce que tu as apporté à la nation? Tu as apporté quoi? Merci mon frère. Qu'est-ce que tu as apporté? Même le président Oligui, toi-même, tu viens. Nous t'avions accompagné au M. Mais j'ai entendu. Toi-même, tu as créé l'esprit clanique du pouvoir. Et dès lors que tu crées l'esprit clanique du pouvoir, les gens vont chercher à t'embrigader. Et quand ils vont t'embrigader, les résultats, ils vont se sentir les seuls capables de t'élever. Et ils vont te faire comprendre que sans eux, tu n'es rien. Entre-temps, ce n'est pas vrai. Il y a chacun va venir te dire, il n'arrive pas à se maîtriser lui-même, mais il va te dire que je maîtrise tel. Sous quel... J'ai besoin de Mba. Tu as son numéro là, c'est moi. Donnez-moi son numéro. Je vais l'appeler. Je vais l'appeler. Vous l'appelez? C'est quoi cette histoire? Nous disons, nous soutenons Ligui, mais nous le soutenons tout en pensant rien qu'à nous-mêmes. Tu ne penses même pas aux voisins à côté. Mais ce n'est pas ça faire la politique de quelqu'un. Et depuis Tshibanga, vous regardez bien, quand vous regardez, Oligui, c'est un enfant de l'Alliance. Ce qu'on appelle, c'est nous, Elat. C'est un enfant qui est né entre deux peuples. C'est un enfant qui est né entre deux communautés. Mais qui a le pouvoir de les rassembler en lui-même. C'est ça la force des enfants issus d'un métissage culturel. Mais mieux, son père a étendu. Il allait en Dendé, il a retrouvé ses frères. Il dit, c'est son frère, je suis d'Endendé. En fait, nous faisons quoi aujourd'hui? Et c'est là que ça me rappelle l'histoire de Moïse. Moïse était général où? Pas en Égypte. C'était en Égypte, il était général. Parce que les gens qui amènent souvent l'argument selon lequel, mais Oligui était le général d'Ali. Oligui a travaillé avec les bongos. Moïse, qui a sauvé le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, était général en Égypte. Il persécutait le peuple d'Israël en Égypte. Jusqu'au jour où il avait compris qu'il était de l'heure. Oligui est fils de Ngima. Est-ce que Ngima était un bongo? Non. Ngima n'est pas un bongo. Il est du Wolentem. Mais il va grandir dans la maison des Bongo. Comme Moïse était du peuple d'Israël, mais il va grandir dans la maison de Pharaon. C'est par lui que Dieu passe pour libérer son peuple. Maintenant que lui, il tue même un Égyptien et qu'il est trahi en Égypte par l'un de ses frères, juif, il fuit. Lui, il veut faire du bien. Les gens se contentent du ventre. Il fuit. Quand il fuit, Dieu lui dit, reviens, va mener. Oligui, je ne dis pas qu'il est Moïse, mais les histoires ont des similitudes.
pourquoi nous ne voulons pas d'abord comprendre? Pourquoi nous voulons seulement qu'il fonctionne en fonction de ce que nous estimons juste? Pas collectivement, mais individuellement juste. Comment nous pouvons penser que nous seuls, nous pouvons réfléchir mieux que tous les Gabonais? Donner l'occasion à Oligui. Moi, j'ai vu un homme politique. On jetait son nom par discrétion. Il va savoir si sur mon direct, il va comprendre. Alors, nous, on revient de Mayumba, Chibanga. Après avoir fait le travail de sensibilisation sur le terrain et puis essayer de regarder toutes les réalisations du CTRI, et puis on arrive à Mouila. Mais la première chose, c'est que, mais Fortuné, pourquoi vous retournez maintenant? Le président arrive dans 2 jours. Ah, mais est-ce que nous, on est venu pour le président? On est venu faire ce qu'on avait à faire, on a terminé, on retourne. Ah, mais non, maintenant les gars, restez. Non! Le jour, ils savent, le jour où le président va vouloir voir Fortuné, il prendra son téléphone, il m'appelle. Le jour-là, j'irai. Mais tant qu'il ne m'appelle pas, c'est que pour l'instant, il n'a pas encore trouvé la nécessité de faire avec moi. C'est comme ça qu'on laisse ce frangin. Après, on arrive, on trouve un frère ministre, ancien ministre natif de Mayumba. Et dans la discussion, je lui dis, moi, je ne comprends pas ce que vous allez faire. Bonjour. Bonjour. Ce que vous voulez faire à Mayumba. Les populations sont en colère parce que ce sont les populations autochtones qui vivent à Mayumba, qui doivent parler. Pourquoi on ramène les gens de Libreville pour aller parler de la situation des habitants de Mayumba au nom des habitants du peuple de Mayumba? Entre-temps, ils n'arrivent même plus là-bas. Il me dit, oh, Fortuné, tu sais que ça a toujours fonctionné comme ça. C'est la population de Libreville qui domine la population villageoise. Non, c'est comme ça. Même si on n'arrive pas, mais quand on arrive, on s'impose. Et ils suivent. Je dis, mais comment ça? Comment vous pouvez dire ça? Donc, ceux qui sont dans les villages n'ont rien à dire. Il me dit, oui. Il me parle comme ça devant l'autorité. Autorité, on va à Fabrice. On est là. Je lui dis, mais mon frère, ce sont les choses-là qu'on veut changer. Il dit, ah, mais l'arbre est déjà tordu. Tu vas redresser ça. Je lui dis, non, ce n'est pas l'arbre. Il y a une différence entre l'arbre et la moralité. L'un est matériel, on peut voir. L'autre est invisible et spirituel. Vous ne pouvez pas. Il dit non, si toi tu veux changer les choses, va demander à Ali, il n'a pas pu. Voilà les gens qui prétendent qu'ils veulent soutenir Oligui. Mais ils estiment que la population villageoise n'a rien à dire quand ceux de Libreville viennent. Pourquoi ceux qui vivent à Libreville n'attendent pas Oligui à Libreville ou dans l'estuaire? Parce que c'est à l'estuaire que vous vivez. Et laisser ceux des provinces traiter leurs problèmes avec leur président. Voilà. C'est comme ça que le peuple de Moïse, le peuple de Dieu avait réagi. Mais Moïse, c'est pas Moïse qui était général. On le sait aujourd'hui pourquoi. C'est pas lui qui tuait les gens là. Mais Dieu a déjà renversé. La page est tournée. Il vous amène vers un autre chemin. Vous aviez encore les yeux derrière. Et quand Oligui n'est pas d'accord avec ce que tu fais, parce que ce que tu fais n'est pas bien pour le plus grand nombre, tu viens, comme c'est toi qui sais courir dans les quartiers, tu viens, ah, Oligui là n'est pas bien, il a donné tout à ses frères, ah, c'est maintenant, ah, les histoires des familles là-bas, je te dis, c'est ton son frère qui est machin, non? Mais, quand vous prenez, parce qu'il faut savoir reconnaître les choses. On gère d'abord un pouvoir avec des alliés immédiats, même aux États-Unis, partout. Ce qu'on appelle le lobbying. Les groupes sociologiques et intérêts communs. Mais il suffit que ces hommes-là soient des hommes de valeur. Quand Oligui a pris Aurélien,
Aurélien n'est pas un petit, hein. Il est petit en âge, mais il a fait des études. Aurélien a été à la Cour des comptes, on a vu ce qu'il a fait. Mais sauf que dans la vie, nul n'est parfait, on peut faire des erreurs, ça arrive. Mais on gère d'abord le peuple, on gère d'abord son pouvoir avec des hommes de confiance dans l'intérêt du plus grand nombre. Maintenant, il y a ceux-là qui s'opposaient aussi à Dieu Jésus, comme je le disais au départ, au service du mal, du diable. Aujourd'hui, on en a aussi au Gabon. Les gens qui s'opposent à la transition et qui statuent des arguments de détournement moral, de sabotage, de pourrissement, qui racontent qu'Oligier ceci, vont réveiller des histoires, parfois des histoires qui restent à vérifier. Mais vous là, vous qui combattez aujourd'hui Oligier sur des faits diffamatoires, mais enfin, j'ai envie de vous poser la question, mais votre... Pourquoi le gars pour qui vous vous battez est dans l'ombre? C'est là où ça devrait interpeller les Gabonais. Tous ceux qui contestent Oligui aujourd'hui, qui disent qu'il faut qu'Oligui quitte, mais ils ne vous ont jamais dit qui ils veulent mettre à la place d'Oligui. Parce que c'est ça d'abord le vrai problème. Pourquoi ce leader-là est dans l'ombre? Nous, on veut voir le leader-là. Puisque le leader là ne viendra pas seulement au Gabon pour servir dans l'intérêt du petit groupe qui le soutient, mais ce leader là viendra dans l'intérêt des Gabonais, non? Oligui, lui, il est déjà visible. C'est lui que nous soutenons. Mais je ne suis pas contre mes frères qui sont aussi contre Oligui. Parce que c'est ça le bon débat. C'est de la divergence, de la contestation qu'on atteint là, le progrès. Mais j'ai envie de voir... L'autre qui est caché dans l'ombre là, l'autre leader que vous voulez nous donner là, mais sortez-le, comme ça on va voir. Non pas pour l'insulter, mais pour comprendre qui est l'adversaire d'Oligui. Maintenant, s'il n'y en a pas, si vous ne pouvez pas nous le présenter, taisez-vous. Avançons. Le Gabon est en retard. Mettons-nous ensemble. Retrouvons-nous. Terminons la transition tranquillement. Nous allons nous mettre en opposition quand on va venir dire que les élections, c'est demain. Mettons-nous ensemble. Unissons-nous pour le Gabon. Pas à la bouche, mais au fond de nos cœurs. Disons-nous que c'est Dieu qui a fait qu'Oligui soit là. Maintenant, comment on peut faire pour accompagner Oligui? Que chacun cherche les voies et moyens. Quel est son apport? Qu'est-ce qu'il a? Quelles sont ses capacités, les qualités qu'il a qui peuvent permettre à ce dernier d'amener le combat d'Oligui vers une réussite? Ne cherche pas à savoir ce que ton frère ou voisin a fait. Qu'est-ce que toi-même tu fais d'abord dans l'intérêt supérieur de la nation? C'est ce qui serait important. Ce que je voulais vous dire ce matin. Prenons conscience. Le Gabon a trop souffert. De 2009 à nos jours, nous sommes dans un conflit politique sans fin. Un conflit politique qui n'épargne pas les gens, qui ne soulage que ceux qui ont de l'argent. Les fleuves sont en train de tarir. Ceux qui n'ont pas eu des réserves devront mourir. Et vous allez les traiter de traîtres. Non, revenons très vite à la nécessité de servir la nation. Et non à la nécessité de servir les individus. Oligui est là. Jusque-là, personne n'a apporté une faute. Personne n'a apporté une faute. Nous sommes dans des suppositions. On dirait qu'Oligui, on dirait que c'est comme ça que quand Jésus rentre à Jérusalem avec ses apôtres, il est dépassé. Il n'arrive pas à les enseigner parce que lorsqu'il veillait
quand il veillait au mont des Oliviers, il voulait présenter ses apôtres à son père, mais eux, ils étaient toujours en train de chuchoter, en train de critiquer, calomnier. Il est venu, dit, mes frères, pourquoi vous dormez? Restez éveillés. Il retourne, il veut les présenter, mais ils sont toujours en train de chuchoter. Faire le Congo ça, dépasser, il est venu. Et quand il rentrait à Jérusalem, désormais c'était deux camps. Les apôtres de Dieu étaient dans les considérations claniques, des acquis, des considérations organiques. Chacun suivait maintenant Jésus pour aller prendre son poste à Jérusalem. Entre-temps, Jésus lui partait maintenant pour mourir. C'est ça qu'on assiste aujourd'hui. Oligui, vous nous présente la transition. Nous, on va pour chuchoter, critiquer. On est toujours là en train de fomenter les coups, de faire des coups bas. Mais dans la rentabilité, zéro quotient. Zéro quotient. Et c'est nous les mêmes. Demain, dès qu'on va te dire que ce que tu as fait, tu n'es fortuné, ce n'est pas bien. Pop, tu vas maintenant critiquer. Oligui, machin. Entre-temps, toi-même, tu étais dans le coup. C'est la raison pour laquelle j'avais dit à Oligui que mon frère, mon petit frère, tu as déjà vu un pouvoir qu'on appelle gentil. Pouvoir gentil. Tu connais le pouvoir là, qu'on appelle gentil. Partout au monde, donnez-moi un pouvoir qu'on appelle gentil. Un pouvoir a besoin de la rigueur. De la rigueur. Une stricte rigueur. C'est lui qui ne suit pas, qui veut amener le banditisme pour anéantir, détourner. Comme les gens m'ont dit de ne plus dire taper. Vous prenez, vous le mettez quelque part. Qu'est-ce qu'a dit que le pouvoir s'appelle bonbon? Même dans la famille, on ne gère pas. Tu ne peux pas éduquer tes enfants avec les bonbons et les galettes. On éduque les enfants avec la rigueur, la sanction. Et dès que tu as terminé d'éduquer, quand tu regardes, tu sens que là, c'est bon. Il s'est transformé, tu le remets dans les rails. Parce que la seule richesse qui ne se perd pas, c'est le potentiel humain, tant que tu vis. Donc, comme tu l'as fait avec ton petit frère, dès que tu as terminé, si tu vois que Aurélien a changé, tu reprends, tu remets Aurélien quelque part pour le tester, parce que c'est une valeur. Tu ne le fais pas parce que c'est ton frère, parce qu'il a des valeurs. Si demain, par exemple, comme mon petit frère le bandeco en chef s'est fâché contre toi, non, ne garde pas la haine, tu es un leader. Pop, qu'est-ce qu'il voulait dire? Pop, tu le prends, tu mets à côté un moment, tu dis, essaie de le mettre là-bas, tu testes. C'est comme ça. On reconnaît un grand esprit par sa capacité à maîtriser les petits esprits. Moïse, sans son peuple, ne sera jamais Moïse. Alors, quand quelqu'un veut se prétendre Moïse, il faut d'abord être dans la position de Moïse. Celui qui sait accepter les critiques, qui sait pardonner et qui sait réorienter les choses. C'est ce que je voulais te dire ce matin. À vous et au peuple, merci encore de m'avoir soutenu. Merci à l'équipe du PJC qui a longtemps été à côté de moi tout au long du malheur. Merci surtout à Fabrice Onva qui a contribué de tous ses efforts pour que le deuil de Petit Mba soit une réussite. Merci à la grande famille d'Akebe Poto et votre solidarité. Merci également à ceux qui m'ont soutenu spirituellement, comme certains mes frères militants du parti, frères de tous les côtés. Merci à vous. Merci à la grande famille Facebook. Restons toujours unis. Restons unis. Nous ne pouvons pas tous être pareils. Il y a ceux-là qui seront volés parce qu'ils ont des ailes. Il y a ceux-là qui seront grimpés parce qu'effectivement, ils ont des pattes pour grimper, des pattes à griffes. Il y a ceux-là qui seront courir au sol parce qu'ils ont des sabots. Il y a également ceux-là qui seront nagés parce qu'ils ont des nageoires.
mais que chacun sache exister dans sa position et laisser la critique de pourrissement des autres. Parce que sincèrement, ce n'est pas quelqu'un qui vous empêche d'arriver vers Oligui, c'est Oligui lui-même. Si demain Oligui n'a pas appelé quelqu'un, c'est lui-même. Parce que l'affaire des intermédiaires, basta. Parce qu'il a été au renseignement, il peut récupérer le numéro de chacun d'entre nous quand il veut, au moment où il veut. Merci beaucoup. À demain. Bonne journée à tous. Ah, tu vas, Hugues.